Dans cette enquête, on a, vous avez surtout exploré l'univers de l'information des 13-17 ans. Et, et il y a ce chiffre absolument incroyable. Pour ces enfants, en tout cas 3 sur 4 d'entre eux, les parents, c'est le premier rempart contre les fake news. Et oui, donc ça veut dire qu'il y a un rôle majeur des parents. Et euh, votre premier invité en parlait. En fait, le, le moyen de prédilection de ces jeunes de 13-17 ans pour s'informer, ce sont les réseaux sociaux, presque sans surprise. Pour 62% d'entre eux, c'est leur moyen d'information numéro un. Mais les parents arrivent tout de suite derrière avec 54% de ces jeunes qui les citent comme étant une source d'information importante. Donc, il faut vraiment que les parents se saisissent de ce rôle-là, de passage, de transmission de l'information. D'autant plus que les ados leur font confiance euh, en premier comme source d'information. Le fait qu'ils soient proches d'eux les rend légitimes. Donc ça veut dire que les parents, ils ont absolument toutes les armes pour communiquer avec leurs enfants et effectivement pour savoir euh, ce qu'eux privilégient comme information et en débattre à la maison. Donc. L'inconfiance, la crédibilité des parents en matière d'information est forte et il faut que les parents se saisissent de ce rôle-là et ne se disent pas qu'ils peuvent lâcher l'affaire.